qu'à bientôt. Tu devais comprendre que l'hiver, le temps qu'il fait, d'aller chier dans le jardin, et on se dégèle, on se dégèle en tartine. Quel homme! Toi, au moins, tu sais parler aux femmes. Remarque, si tu voulais, il y aurait moyen de s'arranger. Je sens que tu caches ton jeu. Tu dois être un amant terrible. Allez, prends-moi comme une bête, fais-moi de tout! Tu me bouffes! Tu me laisses pas faire ça, tu m'en dis là! Et puis, écoute, je t'en supplie! J'ouvre la magie, je vais parler, mais lâche-moi! Oh, couillon, tu sais pas ce que tu perds! Eh, tu as pas intérêt d'oublier l'argent du loyer, hein? J'étais sûr que tu étais purée! Qu'est-ce que c'est? Maître Zizou Zidia, notaire. Notaire? Ah bon, c'est quel sujet? Puis j'entrer. Mais oui. Merci. Asseyez-vous, mais maître Zizou Zidia, asseyez-vous. Non, Zizou Zidia, Blaise. Blaise Zizou Zidia. Eh bien, c'est bien ce que j'allais dire. Mettez-vous à l'aise, Blaise. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elles font les pleureuses? Et le curé? Il y a quelqu'un de mort? Qui c'est qui est mort? Mais non, mais il n'y a personne qui est mort, Anatole. C'est pour le défilé, pour ton centenaire, pour le défilé de ton centenaire, on répète. Avec les vieilles habillées en noir, et ça va être gay. Et ils vont cela. Pour quelle est la caisse? Elle est plus personne. Hein. Ils font de l'exercice. C'est ça, on fait du jogging. Eh bien, le cercueil, ça va être pratique. Bon, je pense que je vais me reboucher. J'ai l'impression que j'ai passé la nuit sur une plage. Tant que j'y pense, docteur, quand vous aurez le moment, vous passerez à la maison. Depuis quelque temps, je ne sais pas ce que j'ai, mais je commence à avoir des absences. Vous savez, à 100 ans, c'est un peu normal, hein. C'est possible une chose pareille. Vous croyez que c'est un miracle? Mais parlez que c'est un miracle. Bien sûr que non. Mais si, docteur. Oui, ce sont des choses qui arrivent naturellement. Bon, allez, on s'en va. Comment ça, une pause? On est arrivé. J'aimerais vous les ouvrir.
C'est rien, c'est des mouches à merde. Quand elles deviennent pégouses comme ça, c'est que le marin va se lever. Pourquoi vous me parlez doucement comme ça? Je sais pas. Ah bon? Vous n'allez pas me dire que cette île, c'est mon île. Mais puisque je vous l'ai dit en arrivant, je vous ai dit, c'est la Nadière, on est à la Nadière ici. Il va bien le dire. Mais il me croit pas. On est à l'île de la Nadière, on est chez Tati. Non mais attendez, elle fait même passer 100 mètres carrés cette île. J'aurais dû m'en douter. Rien qu'à voir ces flusques et sa valise. Je crois que j'ai embarqué le Fada. Vous connaissez, regardez ce que je vois là-bas. Ça revient, ça. Papy. Il a pas l'air content, l'ancêtre, ouais. Ben, ça se comprend, avec des fléchettes plantées dans l'occiput, je voudrais vous y voir, vous. C'est que je suis pressé, moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai des fils à remonter, et si vous voulez en plus que je vous ramène sur l'île avant ce soir, ben, faut se dépêcher. Ben, moi, c'est que je peux pas suivre, ouais. De le temps que vous faites une jambe, il me faut en faire deux. Ça fait que je suis doublement fatigué. Eh ben, vous n'avez qu'à marcher comme tout le monde, hein. C'est pas de ma faute, moi, si vos parents vous ont pas fini. Excusez-moi, je vous ai blessé. C'est vrai que ce que je vous ai dit, c'est une couillonnade. Hein. Dans mes bras. C'est pas bon, Maurice. Ah, frère Maurice. Je sais que vous êtes seul. En plus de l'argent, je vais vous ajouter un petit complément. Ce sera, disons, la cerise sur le gâteau. Ouais, ouais. Je vais vous offrir Petit Minois. C'est la plus expérimentée de mes compagnes. D'ailleurs, je vais vous la présenter. Petit Minois, approche. Mais elle a moins de 150 ans. C'est pas possible, elle a même plus de dents. Oui, mais c'est un dent, hein. Je vous dis pas, hein. Moi, je n'en veux pas, peut-être lui. Ah non, non, j'en veux pas de la vieille, non, non. Je préfère la main gauche. Hein. Désolé, mais je ne détaille pas. Non, c'est une expression, vous ne pouvez pas comprendre. Ah. Réfléchissez bien à ma proposition. Oui, oui, c'est ça, je vais réfléchir. Hein. Ah, il va réfléchir, mais en tout cas, il n'en veut pas de la vieille. Et lui non plus.
Hé, hey, petit binois, qu'est-ce qu'il dit mon grand pendule? Je sais pas moi, il bouge tout le temps. Tiens, t'as vu la tronche du petit binois? Dites, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Et si vous me dites ça, c'est que... C'est que... C'est que quoi, Baptistou? Eh bien, c'est que... Je vous ai manqué. Eh bien, c'est-à-dire que... Un peu, oui. Colette, il faut que je vous dise quelque chose. Vous vouliez me dire quelque chose, Baptistou? Et voilà. Colette, je crois que je vous aime et... Je me sens pas bien. Oh, Baptiste, Baptiste, Baptiste. Moi aussi, je t'aime, Baptiste. Oh, c'est merveilleux. C'est magique. Oh, je me sens mieux. Il faut que j'aille chercher mes habits du dimanche. Est-ce que tu m'as mis genre, Baptiste? Je vais voir ton père. Je veux lui dire qu'on s'aime et qu'on veut se marier. Enfin, si tu veux. Pardi que je veux, Baptiste. Je vais voir ton père. Je dirai, tant pis, je vends l'île aux sauvages, je négocie les impôts, tout va s'arranger. Et je deviendrai patron pêcheur. Et on se mariera. Je reviens dans une heure. Qu'on soit doux veillant, de page ou gruissant, pour tous les Audois, c'est un plat de roi. C'est tout un pays qui chante et qui rit, tout en dégustant ce mets succulent. Bien mijoté dans ses reflets vermeils, viens dégustons un morceau de soleil. La bourride d'Anguille, ça se marie en famille, ça se marie en famille. On a le cœur à vie, et les saumons aussi, on a les yeux qui brillent. La bourride d'Anguille, ça se marie en famille, ça se marie en famille. Un bonnet de la veille, marque avec le merveille. La bourride d'Anguille, un bon bain de la Macarel qui est merveille. C'est le bonheur des papilles, pour les gars, pour les filles, la bourride d'Anguille. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment? Toi aussi, t'as un truc à raconter sur ton chien? Moi, de toute façon, ça intéresse personne, là.